Bon, évidemment, cette expression un peu nulle ne veut pas dire que tu vas commencer à faire ton décor en hiver. Déjà, ça n'aura aucun sens, ça ne serait pas très utile. Non, elle veut simplement dire qu'il faut que tu saches exactement ce que tu as envie de mettre dans ce décor. Et quand je dis quoi mettre, je parle réellement de ce que tu as envie de faire apparaître dans ton décor. Est-ce que tu souhaites que l'entièreté de ta vie fasse partie de ce qui sera l'entièreté de ta chaîne? Ou est-ce que tu cherches plutôt à développer quelque chose qui fasse en sorte que l'on identifie tout de suite, peut-être pas un personnage, mais en tout cas, un lieu atypique qui donne envie de regarder tes vidéos? Dans tous les cas, une chose est sûre, le décor que tu vas choisir de mettre en place se doit d'être dans l'ambiance de ce que tu souhaites faire ressortir de tes vidéos, de ce que tu as envie de mettre en relief le plus possible au travers de ton esthétique, de ton phrasé et de ce que ta vidéo va nous montrer. Soit en somme, habiller ton lieu de telle sorte qu'il habille ta démarche créative et esthétique. Pour faire simple, dis-toi que ton décor doit être absolument à l'image de ce que tu vas être au sein de tes vidéos. Et cela n'est pas obligé de rester figé, et c'est en cela que l'on peut parler d'un habillage et non d'un déménagement, comme c'est souvent le cas lorsque l'on parle d'un décor. Qu'il change et qu'il évolue, je préfère pour ma part parler d'un habillage, car c'est comme cela que l'on appelle ce qui est présent dans ta vidéo en termes de montage. Donc en somme, ton décor est l'habillage que tu ne peux pas interchanger au montage. Finalement, ton décor est bien plus qu'une simple expression de ta personnalité. Cela fait littéralement partie de toi, puisque tu le constateras assez vite, mais au début, tu ne peux pas faire grand-chose avec ton décor. Tu ne peux pas non plus te créer un truc de ouf, et tu verras que la plupart du temps, le système D va vite devenir ton ami et ton artisan préféré. Mais une chose est tout de même sûre, tu ne dois pas avoir la sensation que ton décor ne plaira pas non plus aux autres. J'ai vu certains youtubeurs que je ne citerai pas balancer à gauche et à droite que certains décors font adolescents, ou simples, ou faciles, ou convenus. Et je ne suis pas vraiment de cette école, cela est sûr. Pour moi, un décor, tant qu'il est fait avec honnêteté et envie, est un bon décor. Un décor qui plaît est un décor qui te plaît. C'est un décor dont tu te sens fier et surtout qui te ressemble. Un décor dans lequel tu mets un peu de toi, un peu de ta cinéphilie, un peu de tes passions diverses comme variées. Finalement, un peu de ce que tu aimes et de ce qui fait ta vie. Ton décor est un décor qui sonne comme étant sincère et non qui sonne comme le dernier connard qui accrochera un poster de 2001 le lycée de l'espace juste pour dire qu'il a un poster de 2001 le lycée de l'espace. Ce qui souvent, par contre là, ne veut rien dire en termes de personnalité et d'expression. Une fois que tu auras commencé à placer les premiers éléments dans ce décor, la question suivante sera finalement extrêmement logique. Jusqu'où tu peux aller avec ce décor ?